Alors, tout simplement, pourquoi cet engagement? Parce qu'il y a des événements qui le méritent, et cet événement, je voudrais saluer. Pour eux de venir rejoindre la France. Donc ils sont un petit peu moins nombreux que d'habitude et ce sont d'autres nés à l'intérieur des nombreux familiales. Vous avez en moyenne 4 par ballon. D'acier qui vont être rattachés en haut du ballon sur la pratique. Ils mettent à leur tour. Une moyenne de 20 mètres. Qui fait un ballon de 25 mètres de haut. Pour un ballon en montgolfière, l'occasion de découvrir cette sensation nouvelle, si magique, de décoller avec un ballon et de voler avec un ballon. C'est une sensation extrêmement agréable. On commence donc sur un ballon allemand, le ballon, pour que l'air chaud, poussé par l'air chauffé par les brûleurs plus en verglas que les pilotes en général mangent après le vol. Avant, ça s'est l'air du coup tout un peu de pilotes ici, ça fait la chaleur. Vous voyez passer sur le terrain, parmi les gilets jaunes, certains d'entre nous qui ont une course. Mais il existe deux autres sortes de ballons. Il y a ce qu'on appelle le ballon à gaz, qui donne des morts, ça a été le premier accident aérien, c'est son quatrième vol. C'était son premier vol en tentative de traverser la cause des barrières à plus de 10 km de profondeur. Et Bertrand, alors que Joe décolle, Bertrand lui a fait le tour du monde en ballon. C'est la première fois que ce soit dévalué. Démarrer et parti suivre le ballon, c'est ce qu'on appelle le roadsounding. Au terme anglais, donc c'est l'équipe de recherche en quelque sorte. Alors, le pilote, il faut savoir quoi faire, on est un petit peu plus à droite, bien de l'autre, parce qu'il y a un meilleur au milieu de la forêt, pour leur trouver, c'était un petit peu compliqué, parce qu'il est plus encore plus de plan que le pilote. Moi, de voile, on a un peu râle. Voilà, le pilote, c'est bon. Il y a une ouverture sur le ballon et il
Silva, après avoir donné une dernière fois des parapluies. Jusqu'à présent, le verre d'ambiance, qui maintenant va être chauffé suffisamment pour que pour tenir trois plus préparer le décollage. Corde est tendue, le ballon n'a plus envie de partir maintenant. Le chaud est à l'intérieur, est en train de remplir l'ensemble de l'enveloppe. Et vous voyez qu'ils s'y mettent à plusieurs pour repasser le ballon vers l'essai. Une fois que le ballon est gonflé, un moyen de d'orienter le panneau. Voilà, Jason attend en toute sécurité et à son tour va tirer sur le dernier. Voilà, ils sont partis. Vraiment, vraiment, je vous donne rendez-vous dimanche matin. Le record du monde du plus grand nombre de ballons pressés debout, éventuellement pour la première fois, va s'offrir à vous visuellement. Vous êtes également le kangourou qui était présent. Tous ces ballons sont fabriqués à 4e. Ils en sont aujourd'hui à plus de 9000 ballons construits et il en a encore un nouveau. Il n'était pas certain de vous l'enlever. Eh bien, il s'envole, je vous propose de l'applaudir, Mr. Gloomy, pour son premier vol en France. Avec Alex, avec l'inénarrable Benny qui vous photographie, n'hésitez pas à sourire et à la saluer. Voilà.